Claude Marty. Alors Claude Marty, nous sommes en train de faire un micro-trottoir sur Carcassonne et le sujet c'est la dépression, parlons-en. Est-ce que la dépression, ça vous parle? Et la dépression, alors comme ça, au débuté, je vais essayer de définir le bonheur, chose difficile, le bonheur, c'est le sentiment que tout est à sa place, depuis l'étoile jusqu'au microbe. Dans l'univers, tout est à sa place dans l'univers. Et peut-être que la dépression, c'est de trouver que rien n'est à sa place dans l'univers, depuis l'étoile jusqu'au microbe. En passant par lui, bien entendu. Ça doit être ça la dépression. D'accord. Et les gens qui sont touchés par la dépression, comme c'est un peu tout le monde, ça peut toucher tout le monde, hein. Ça peut toucher un chef d'entreprise, ça peut toucher un entrepreneur, ça peut toucher un ouvrier, ou un étudiant, ou un enfant, ça peut toucher tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour se sortir un peu de cette dépression qui est une maladie? Bonne question. Alors, je ne sais pas, je ne suis aucunement thérapeute de la dépression, mais je pense que pour sortir de l'état dépressif, ce qui serait bien, c'est de rentrer d'abord en communication avec les autres, et donc avec soi-même, et d'essayer de trouver des raisons positives à toutes les choses qui nous environnent, à commencer par nous-mêmes. Alors peut-être agir en parlant avec les autres, en agissant surtout avec les autres, pour que ce monde ait des couleurs plus amènes, plus gentilles, que le monde ait l'air d'être plus amical, plus fraternel, plus agréable. Comment faire ça, mais peut-être en essayant d'agir. Je crois que l'action, c'est un des leviers, à mon sens encore une fois, ça doit être un des leviers majeurs qui peut nous conduire à guérir ou à éviter cette dépression. Bien sûr, guérir de la dépression seule, c'est très difficile. À mon sens, ça ne peut être que dans son voisinage, dans sa famille, dans une grave. En agissant autour de soi et avec soi. On ne peut être libre qu'avec les autres, on ne peut être curieux avec les autres. C'est peut-être ça aussi un des remèdes pour la dépression. Ça, c'est joli. Et une autre question, quelle est votre passion? Quelle est ma passion? Oui. J'ai des passions multiples. C'est peut-être ça qui... La musique, la parole, la poésie, le contact avec les autres, le faire. Le faire avec les autres. Je pense que le mot de la fin, c'est faire des choses avec les autres qui peut nous permettre de sortir du quotidien et de l'isolement. Je le crois. Merci Claude Marty, merci beaucoup. Merci Madame Marty, au plaisir, à bientôt.